La question était dans tous les esprits. La présidente de la Commission européenne allait-elle se lancer ou non dans la bataille pour être reconduite à la tête de l'institution ? Son discours mercredi au Parlement européen sur l'état de l'Union se présentait comme une occasion politique de dévoiler ses intentions. Mais Ursula von der Leyen n'a pas donné le moindre indice. Interrogée par Euronews, la responsable allemande préfère insister sur l'implication de sa famille politique, le Parti populaire européen, en faveur de sa stratégie climatique. You seem to have a lot of enemies within your political group yourself. Do you think you have a lot of enemies as well back home because you want to run again? There's a very clear message from my political family. We stand for the European Green Deal. And we've done an enormous package of legislation together, Parliament, Council and the European Commission. We've set the targets for 2050. We've shown the roadmap in Fit for 55. Now it's mostly about implementation. À 9 mois des élections européennes, les chrétiens démocrates de l'Union resserrent les rangs, oubliés les coups de griffe portés avant l'été par le PPE contre la loi sur la restauration de la nature proposée par la commission d'Ursula von der Leyen. En cette rentrée politique, le discours se veut clair. Il faut avant tout mettre en œuvre les engagements annoncés.